Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une review spéciale My Little Pony avec la boîte de Twilight Sparkle et Starbeam Twinkle. Alors je vous montre la boîte pour commencer. Elle est en forme de château. Il est indiqué ici qu'il y a plus de 25 pièces. En bas à gauche, le logo My Little Pony. Il est indiqué qu'il y a deux piles. On a ici le nom Twilight Sparkle avec un petit logo en forme d'ampoule. Ça veut dire qu'elle s'allume. Et ici on a le logo Starbeam Twinkle. Voilà. Derrière la boîte, on a une illustration du château. On peut voir ici Princesse Celestia. Ici Rarity. Et il y a marqué ici rangement. Donc en fait, ça représente une boîte de rangement. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Voici la boîte de rangement. C'est le couvercle en fait. Alors quand on ouvre, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et sur le dos, en fait, on a la même illustration. Voilà, c'est super pratique pour ranger les éléments de My Little Pony. Ensuite, on peut retirer les plastiques ici. Voilà, donc j'ai retiré les éléments du dessus. On voit donc à l'arrière-plan un décor du château. J'en retire maintenant les accessoires d'en dessous. On a une notice et en fait ça explique quand on appuie sur le dos de Twilight Sparkle, sa corne s'illumine et il montre comment changer les piles. Donc maintenant je vais retirer tous les éléments des plastiques pour vous montrer. Voici tous les éléments qu'il y avait dans la boîte. Je vais commencer par la gauche. On a une table. Il y a un cœur avec le logo My Little Pony. Un gâteau rose avec une assiette bleue. Une part de gâteau dans une assiette. On a une coupe avec une louche. Deux tasses jaunes. Un autre gâteau. On a le personnage de Twilight Sparkle. On a le personnage de Starbeam Twinkle. Une commode avec un miroir. Un sceptre violet avec un cœur, deux barrettes roses, un coffre bleu qui peut s'ouvrir, un peigne violet, deux barrettes bleues transparentes, un paquet cadeau rose qu'on peut ouvrir. On a une table à roulettes avec un plateau qu'on peut poser dessus. On a un service avec deux tasses et leur soucoupe, une théière, un sucrier, une carafe de lait. Alors je vais vous décrire Twilight Sparkle. Elle est différente des autres poneys niveau corpulence parce qu'en fait on a les piles à l'intérieur. Donc elle est beaucoup plus large du bassin. Par comparaison avec la Twilight normale, on voit la différence. Alors elle a une corne qui est violette. Elle est différente de d'habitude, en fait, parce qu'elle s'allume.
En fait, il faut appuyer sur le dos, il y a un bouton. Elle est violette, avec des yeux violets. Elle a un petit diadème rose transparent. Elle a des cheveux violets roses et des mèches pailletées. Elle a une queue violette et rose et aussi pailletée. Elle a une selle bleu, jaune et rose. On peut l'enlever. Et là, on peut bien voir le bouton qui permet d'allumer la corne. On a le dessin sur son flanc. Il représente des étoiles. La nouveauté, c'est que les pattes sont toutes articulées. Donc on peut la coucher. Sa tête est aussi articulée. Voilà pour Twilight. J'ai passé à Starbeam Twinkle. Donc elle est rose. Elle a les yeux violets, bleu-violet. C'est une licorne aussi. Elle a un diadème jaune transparent. C'est le même modèle en fait que Twilight. Elle a les cheveux bleus, bleu turquoise, avec des mèches pailletées. Sa queue, c'est la même couleur. Et le dessin, c'est des étoiles, une étoile jaune, bleue, blanche, et il y a des paillettes. Twilight a des paillettes sur son dessin. Donc voilà pour la review. Alors j'aime beaucoup ce concept où c'est une boîte qui peut servir de rangement après, par la suite, qui est en forme de château avec des décors, donc on peut mettre les éléments à l'intérieur pour faire des scénettes par exemple. J'aime beaucoup aussi les accessoires, comme la petite charrette avec le plateau. Le miroir aussi, la commode. Alors, j'ai vu qu'il y avait une encoche au niveau de la charrette ici. Donc, on peut poser la patte d'un poney. Comme cela, on pose. Voilà. Alors, ce coffret, on ne le trouve pas dans tous les magasins. C'est vraiment un coffret assez rare. Il coûte environ 25 euros. Voilà. Et je trouve que pour le prix, bah, il y a quand même pas mal d'éléments. Il est intéressant. Donc voilà pour ma review. Je vais vous montrer encore un peu ma collection. Donc il y a le train de Pinkie Pie que j'avais fait en review, la ferme aussi. Mon château. La boulangerie de Pinkie Pie. Le ballon que j'avais fait aussi en review. Les fashion ponies. Mon nouveau fashion ponies Rainbow Dash que je ferai en review bientôt. Fluttershy. Daisy Dream. Et bientôt la review de Chirilly et son école.
Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine review My Little Pony sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, à bientôt.